Bonjour à tous, après avoir terminé la campagne solo de Steel Division Normandie 44, ce que je vais faire c'est vous montrer la première partie que j'ai. Enfin plutôt la deuxième partie que j'ai faite après avoir terminé la campagne, c'est une partie contre l'IA. Donc je vais reprendre le replay et puis vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, etc. Comment c'est passé. Alors c'était la. Vous voyez ces deux victoires-là contre l'IA moyenne, c'était la première fois que je gagnais contre des IA en moyen. Sachant qu'en fait j'avais jamais gagné sur des IA en facile, donc voilà. Comme quoi le fait d'avoir fait la campagne ça m'a fait progresser. Donc ce que je vais prendre c'est cette partie-là, et on va regarder ce que ça donne. Donc peut-être que je vous ferai un petit enregistrement sur le deck que j'ai fait, comme j'avais un petit peu fait sur Wargame Red Dragon, je verrai. Donc ça se charge. Voilà, donc c'est Carpiquet, donc c'est un terrain historique. Ah oui, pardon. Je suis côté allemand. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des éléments de la garde, je crois. Ouais, c'est ça. Donc des Britanniques. Ah, vous voyez, il y a des Cromwell, des Halftrack. Alors lui, il a pris le choix d'avoir un déplacement assez large sur le terrain dégagé, c'est-à-dire l'aérodrome. Vous voyez que c'est assez plat. Il y a juste une petite pente qui fait on peut perdre un peu la vision. En fait, je vois qu'il a pour l'instant il n'en voit pas grand-chose en ville. Donc on va accélérer pour que je vous montre un peu ce que je vais faire moi. Donc je commence par placer mes rocos. Et puis j'ai le droit à un Firefly, je le prends parce que en phase A, un Firefly, c'est juste énorme. C'est un canon terrible. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc je vais accélérer. Voilà, donc. Donc là je vais diviser. Donc j'ai un canon que je vais placer ici. J'ai des scouts et des Panzergrenadiers que je vais passer dans les hangars ici. J'ai mon Firefly qui va donc se placer par ici. L'idée pour moi c'est ici de couvrir l'ensemble du terrain dégagé vis-à-vis de chars alliés. Cette colonne elle est faite pour prendre la ville et j'ai un scout qui part à droite pour essayer de scouter, de voir si ce qui se présente par là. Donc on avance, je vais repasser en vitesse normale. Donc ça y est, mon canon est placé. Et. Alors c'est un Firefly capturé, hein, parce que les Allemands avaient l'un. Vous voyez qu'on a la croix. Donc les Allemands avaient tendance à essayer de récupérer le matériel ennemi. Alors je vois que j'aurais peut-être dû pousser plus, parce que je suis déjà en train de m'arrêter là. Alors par contre, oui, en face, il y a quoi? Ah, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a trois sections. Il y en a trois à droite. Ok, donc là arrive de l'infanterie et des Humber Mark 4. Un dingo aussi. Donc en face ils vont se retrouver face à mon Firefly, je crois que ça va faire un carnage. Alors attention, par contre ici on a un Cromwell là. Donc le scout m'a permis. Alors je vais quand même me mettre en vision. Vous voyez que le scout me permet de voir tout ce qu'il y a sur zone ici. Bon ici ça chauffe en ville comme prévu. Alors, dans la première version, là, j'ai pris des Panzergrenadiers sans le Halftrack, parce que ça coûte trop cher, je trouve, en phase A, qui a que des camions en Pelblitz. Alors, je vais quand même me mettre en neutre, parce que je voudrais voir. Bon, effectivement, j'ai déjà traité un des véhicules. Hein. Le dingo. Il reste le Humber, là. Alors, mon canon, là, il n'est pas tout à fait à portée, je crois. Non, il n'est pas du tout à portée. Alors, je me suis fait repousser ici. Donc l'IA est moyenne, hein, donc attention, elle joue quand même assez bien. Hein. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc j'avance mon Firefly, je vais avancer un petit peu. On va bien le voir ici, donc. Il a pris un coup. Mecha rebondit. Rebond encore. Décrochage.
Donc le moral lâche ici. Donc là je suis pas très bien, hein. Je suis en déficit d'ailleurs devant. Je change de cible parce qu'effectivement le Cromwell est arrivé à portée. Et je crois que c'est moi qui vais me faire avoir d'ailleurs là-dessus. J'ai un doute. Et non. Voilà, le Cromwell a explosé. Explosion des munitions. Alors attention, il arrive avec un Six Pounder. Alors moi je le vois pas ça. Sauf erreur, voilà. Parce que mes scouts sont morts, donc j'ai plus du tout la même vision sur le champ de bataille. Bon là j'ai tenu finalement pour l'instant. Donc je ramène des Panzer Grenadiers, cette fois avec des Halftrack. En gros, dès que j'aurai 60 points, je vais envoyer des Grenadiers avec Halftrack en ville, quoi. Donc ici, de visible, j'ai plus que ce Dingo qui repart. Conducteur sonné, ça va pas m'empêcher de tirer avec la tourelle. Alors j'ai réussi à la rater d'ailleurs. Là c'est dangereux, vous voyez, c'est très dangereux de faire ça. Je ne savais pas évidemment qu'il y avait un canon anti-char, donc comme il m'a tiré dessus, bah là il s'est révélé. Mais j'aurais pas dû avancer comme ça, c'était très dangereux quoi. Donc je décroche et là ça va être le carnage. Voilà. Le Firefly a sauté. Voilà comment perdre 200 points. Alors par contre ici, mes Panzer Grenadiers avec leur bazooka vont faire un... Boum! Un beau tir de bazooka. Donc la ville, bah, ça va mieux. Donc on est toujours en déficit de points, mais bon, voilà, ça avance. Je fais un petit coup de neutre pour montrer ce qu'il y a. Vous voyez qu'il y a pas mal d'unités quand même alliées, plus que d'unités de l'axe en fait. Allez, je repasse en verse. Oh non, on va rester comme ça un peu. Hop. Donc là, cette Jeep qui va arriver, elle va se prendre un coup d'obus. Hein. Je me demande comment j'ai pas réussi à l'avoir avec du 50 mm. Elle décroche. Là, j'emmène un Halftrack mortier, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez, le centre est à eux. Et la ville, on lutte. Pardon. Donc là, ils ont beaucoup de bazooka, donc mes Halftrack vont prendre cher. Bah voilà. Voilà un exemple. Faire très attention à ça. Ça me rappelle ma campagne donc avec les Écossais là en difficile. Où effectivement, chaque bocage peut abriter une section allemande avec un Panzer Schreck, et quand ça vous arrive, eh bien c'est terrible pour vos véhicules semi-chenillés, vos Halftrack ou même vos chars. Même un König Tiger peut se faire choper. Voilà, j'utilise du mortier sur un véhicule en déplacement, c'est pas la meilleure des idées, mais vous voyez, il continue à envoyer un Dingo ici, et eh bien ma section va faire de même, je crois. Encore un coup de bazooka, il lui reste deux. Ah, c'est Panzerfaust, pardon. C'est Panzerfaust. Je dis bazooka depuis tout à l'heure. Bazooka, c'était l'arme américaine, évidemment. Là, je joue avec la 12e SS. Qui, historiquement, d'ailleurs, s'est battue sur Carpiquet, de mémoire. Donc ici, on ramène du monde. Mais vous voyez, il y a plus d'alliés que d'allemands, donc je ramène au fur et à mesure du monde. Je veux aussi ramener un autre canon de 50 mm. Alors vous voyez que là il déplace de nouveau un canon, donc c'est lui que je vais vouloir choper avec mon mortier, mais ça va être la galère. Hein. Parce que comme il est en train de le positionner, j'aurais mieux fait d'attendre qu'il soit positionné. Quoi. Donc là, on est toujours en déficit, donc 390 points pour les alliés. Enfin, il n'y a rien de grave, on peut encore remonter. Hein. Ces petites automitrailleuses sont pas mal quand même. Hein. Voilà. Là, j'ai enfin cloué au sol, et il est même en décrochage, le Six Pounder. Je suis obligé d'avancer un petit peu mon pack 38. Parce que sinon je suis pas à portée. Hein. La portée c'est 1000 mètres. Donc
Vous voyez. Il faudrait vraiment qu'il s'avance pour que je puisse faire le job. Donc on continue à essayer de pilonner au mortier. Là j'ai repositionné un pack 38 ici. La ville, il y a des hauts et des bas. Là vous allez assister à un bas je crois puisque... Vous voyez ce Alfrac il a pris cher donc il recule. Donc on est toujours pas exceptionnellement bien, hein, on est toujours en déficit. On est toujours en phase A, la phase B est dans 1 minute 30. Cloué au sol, il faudrait que j'arrive à le choper, mais je crois pas que ça... Je suis pas certain de le choper avec le mortier, lui. En tout cas, ça n'avance pas. Alors, j'avais un leader au début, hein, mais il est mort, évidemment, puisque j'ai pris cher en ville. Là, j'essaie absolument de me faire le piat pour que mes half-track puissent aider. Ah, vous voyez, là, il y a beaucoup de monde qui arrive. Donc, je repositionne mes dépenses en grenadier avec des half-track. Alors, comme je sais qu'il y a un pack, je vais pas y aller. Ah, un avion, un Spitfire qui va attaquer mon infanterie. Vous voyez, parfois il vaudrait mieux sortir, enfin bouger les unités une fois qu'elles sont repérées quoi. Voilà, un deuxième Six Pounder ici. Hein. Alors celui-là, je... Boum. Du coup j'ai perdu mon mortier, chopé par ce Six Pounder. Alors il n'y a toujours pas de char lourd hein, ici pour l'instant, mais ça va pas tarder. Donc la ville, je la tiens avec rien, avec deux half-track et des Panzergrenadiers ici. Et boum, vous voyez ce qui s'est passé quand on a des half-track en ville sans infanterie, et ben on se fait choper par l'infanterie ennemie. Même avec des grenades, c'est bon, puisque le half-track est ouvert, donc une grenade à l'intérieur, c'est cuit. Là, j'ai ce pack qui a détruit un half-track, il me semble. Il est pas mal positionné, puisque ça fait une sorte de nasse dans lequel... les alliés vont se précipiter. Alors je dis ça, mais je suis toujours en déficit, hein, donc il faut que je reprenne la main un peu plus vite. Donc je vais accélérer un peu. Vous voyez, boum, half-track. Alors ça y est, je suis en phase B, donc là je vais commencer à faire entrer des chars. Mais j'ai aussi besoin de remettre de l'infanterie ici. On va faire un petit coup de neutre pour voir où on en est. Vous voyez, hein, il y a quand même de la masse. Hein. Et il continue à envoyer des renforts. Donc mes half-track ils sont ici exprès derrière les bâtiments parce que je sais qu'il y a du pack. Donc je vais éventuellement pouvoir tirer sur cette infanterie sans être touché par le Six Pounder. Je crois qu'il y en a un qui va se faire choper d'ailleurs. Mais... J'aurais peut-être dû ramener ce Panzergrenadier ici. Je pense que c'est encore un tir de ces Panzergrenadiers ou peut-être de ce pack. Ok, celui-là il s'est fait choper par le canon. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors toujours ces automitrailleuses là. Boum! Donc ça continue à s'échanger les coups. Alors vous remarquez que ce pack il a pas d'armes de obus anti-infanterie en fait. Donc ils sont très 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 fragiles vis-à-vis de l'infanterie. Donc là mon Alfrac est mieux positionné puisque le Six Pounder est obligé d'avancer. Et comme il avance, il va prendre le feu. Alors j'ai un premier avion qui est là, je crois. Boum! Qui a largué une bombe. Donc c'est un faux Wolf qui a largué une bombe sur le pack qui était là. On continue à ramener de l'infanterie en ville. On est toujours en déficit. Hein. On est en phase B depuis 2-3 minutes et on est toujours en déficit. Alors là, comme il a avancé son canon, il est en décrochage puisqu'il a pris le tir. Donc j'essaie d'avancer pour le choper. Donc
On s'accroche en ville. Alors, vous voyez, on est revenu à 50% avec cette petite poussée en ville. Ok. Là, j'ai les Bren Carrière qui sont là. Donc j'avance petit à petit mes packs. Hein. On va faire un petit coup de neutre pour voir où on en est. Ah, il y a encore beaucoup de monde. Vous voyez ce qui arrive là. Donc là c'est illusoire. Hein. Je vais pas tenir ça avec ce qui est en face. Et vous voyez ce qui ramène. Hein. Moi j'attends les points pour faire rentrer des chars, il me semble. Ce qui va bientôt arriver. Donc je vais accélérer. Voilà, un premier char qui va arriver bientôt. Le voilà. Alors pour l'instant je crois que je commence avec du Panzer 4. J'ai pas les sous pour faire entrer tout de suite du lourd. Et voilà, c'est parti, Panzer 4H. Qui est parti. Donc vous allez le voir, il va y avoir une véritable lutte de blindés sur cet espace découvert, ce qui est un peu normal. Les blindés seraient pas à l'aise dans cette ville. Vous voyez, là, ça tient pas. Hein. Donc il va falloir que je ramène au fur et à mesure des Panzer Grenadiers. Au niveau des hangars, la lutte est quand même féroce. Encore un pack ici. Il arrive avec des half-track. Je sais pas si c'est pas des mortiers d'ailleurs. Non, c'est de l'infanterie, je pense. Donc le Panzer 4 va essayer. Donc là, il faut se méfier de ce Six Pounder. Hein. Donc c'est pour ça que je vais me positionner plutôt par là. Pour qu'il y ait les bâtiments entre le canon et anti-char et moi. Boum, j'ai pu tirer sur le half-track. Je l'ai raté, dommage. Boum, deuxième obus, c'est bon. Et là, on va faire la même chose avec celui-là. Donc là, je ne vois plus le pack, mais il doit être encore là. Hein. Vous voyez, il est en retrait, il attend que j'arrive, en fait. Et comme je sais qu'il attend ça, et ben, je vais éviter d'arriver, il me semble. C'est-à-dire, ce que j'ai absolument besoin, c'est d'envoyer de l'infanterie pour déterminer où se trouve le pack. Donc là, je suis obligé d'essayer de reprendre ce bout de la ville, là. Il y a une perte ici. Ça décroche. Vous voyez que mes packs, ils sont toujours actifs. Donc on a un Sherman qui arrive ici. Et le monde, l'infanterie qui est sur zone. Donc je vais prendre, ça va prendre un certain temps avant que je puisse récupérer tout ça. Allez, mon Panzer 4H est en position. Pour l'instant, ce qu'il va faire, c'est assister l'infanterie. Tant que le pack, enfin le Sixpence sera pas repéré, j'avancerai pas quoi. Je peux pas avancer quoi. Je viens de perdre un Panzer Grenadier, hélas. Ah. Regardez qui arrive. C'est Whitman avec un tigre, son tigre. Alors, on va ralentir un peu pour voir la bébête, parce que j'ai pas eu le temps de la voir. Ouais, bah, magnifique. Je sais plus si c'est bien le marquage 205, faudrait que je vérifie s'ils ont été jusque là. Donc ce tigre va faire un malheur. Whitman étant un as en combat blindé. Il va faire un carnage en Normandie. Mais il va aussi trouver la mort. Ok, donc le Panzer 4 est là et le tigre de Whitman arrive. Donc j'avance tranquillement, je sais que le pack est là, donc je peux pas me permettre. Vous voyez, le pack est ici. Donc là, j'ai un autre Sherman qui arrive. Ça doit être du Priest, ça, ou je ne sais quoi. Non, du Sexton, pardon. Sexton.
voyez que la lutte est terrible. Donc j'ai toujours pas l'avantage ici, j'ai une petite poche. Mais c'est tout. Allez, je me remets en vision que j'avais. Ouais, Whitman est arrivé. Ça y est, le pack est identifié, j'ai avancé mon infanterie, donc je sais où je ne dois pas aller. Et il faut absolument que cette infanterie puisse soit se débarrasser du pack, soit que les avions que j'ai s'en occupent. Oula, c'est dangereux ce que je viens de faire. Ok. Donc pour l'instant tout va bien. Alors ça y est, j'ai enfin un excédent de points. Donc je commence à marquer. La lutte en ville n'est pas du tout terminée. Hein. Et boum, encore perdu un nomade. Donc il y a ce pack qui m'agace, qui me bloque un peu mon avancée. Ok, toujours des Panzergrenadiers qui arrivent. Alors, on va voir ce que ça va donner. Donc là, le pack recule et le Sherman arrive. Bon, c'est de l'obus de 88 mm, hein, donc... Bon, je décide d'avancer mon Half-Track, je crois que ça va lui coûter la vie. Je suis étonné que mes Panzergrenadiers tirent pas sur le pack, en fait. Ah, le Sherman arrive, je pense qu'il va... se faire dessouder. Le décor, je trouve vraiment magnifique. Derrière, c'est une antenne. Hein. C'est sur un de ces plans que les Allemands étaient assez forts. Dès le début de la guerre, ils avaient déjà des radios dans leurs chars, ce qui facilite grandement les plans d'opération. Quoi. Parce que quand vous êtes dans un char, vous êtes dans une boîte de conserve. Boum ! Le Sherman a pris un obus de Whitman. Le Sixpander est quasiment détruit. Alors, attention, il est en train de recharger là. Ça y est, le Sixpander a été détruit. Il arrive avec sa petite automitrailleuse, ça va pas faire un pli. À partir du moment... Donc je vais pouvoir ramener du char. À partir du moment où le canon est détruit, je vais pouvoir progresser. Alors vous allez voir ce que ça va donner. Parce que là on est de nouveau à zéro. Hein, à cause de la ville principalement. Mais vous allez voir que là, l'avancée va commencer. Concentration de troupes. Là, mon pack peut tirer sur le Bren. Le carrière, là. Ça décroche, donc on va pouvoir avancer.
Donc c'est parti, un autre Panzer 4H qui arrive. Et puis bah toujours la lutte pour la ville, donc de nouveau des Panzer Grenadiers. Ah, j'ai perdu mon pack. Alors, vous voyez qu'il y a énormément de monde dans cette ville. Là par contre ça commence à souffrir. C'est en train de lâcher. Ah, je me remets en vitesse 1, j'étais en 0,5. Je vais même avancer un petit peu. Donc là, il y a mouvement. Je me permets aussi de déplacer mon pack. Hein. Donc c'est là où effectivement je vais gagner beaucoup de terrain. En ville, je tiens malgré tout. Et sur le côté, je vais avancer. Alors, je vais peut-être me prendre une contre-attaque d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de monde. Je vais perdre la ville pendant un temps. Mais comme dans le même temps, sur la partie dégagée, j'avance bien. Je vais reprendre l'initiative au niveau des points. Donc là, c'est le Sherman qu'on a vu tout à l'heure. J'ai plus de reco depuis un moment, donc je me décide à faire entrer des SDK 222. Allez, on accélère. Donc là, on a repoussé cette offensive-là. Là, ça va être plus dur, il me semble. Et voilà. Donc on est en positif. Donc il nous reste 600 points à rattraper en haut. Ah, chenille détruite, je me rappelais pas que j'avais perdu un Panzer 4H. Eh ben si, ça y est. Alors, comme dans le même temps, j'ai toujours celui-ci qui est arrivé là. Alors j'ai besoin de faire revenir de l'infanterie parce que j'ai plus rien ici. C'est ce que je vais faire. Je vais me remettre dans ma vision. Boum, Sherman est ici. Panzer 4H se tourne pour pouvoir tirer. Boum, j'ai perdu mon canon. Là, j'ai le Sexton qui me bombarde. Du coup, j'ai pas le choix, il faut que j'emmène mon Panzer 4H par ici. C'est très dangereux, hein, parce que je sais que l'offensive ennemie arrive plutôt par là. Donc je suis obligé de me réorienter pour essayer d'aller... Bon, Whitman a failli mourir. Donc ça a rebondi, mais il est un peu choqué, donc ça décroche. Le Panzer 4H, ça rebondit aussi. Conducteur sonné, rebond. Décrochage. Whitman a repris le choc. D'ailleurs, je connais pas en fait si ces héros-là que vous avez avec le pack luxe là ont des caractéristiques. Bon, il a 2 étoiles, mais est-ce qu'il a autre chose? J'en sais rien. Peut-être qu'ils ont des bonus aussi. Donc c'est reparti au niveau de la ville. Du coup je vais remettre un peu de ça. Ouais, j'ai. Mais ça continue à avancer en face. Hein. Panzer 4H a fait le job. Ok, je continue à envoyer des blindés. Donc encore 2 Panzer 4H. Encore un autre. Et ça va être la charge. Bientôt, vous allez voir que ça va foncer sur le terrain dégagé. Et là, ça va être un massacre. Il y a 2 Alfrags qui viennent de sauter. Ah,
Alors attention, il y a Spack. Cloué au sol, donc ça c'est parfait, il décroche. Il faudra absolument que je le finisse. Là j'ai besoin d'envoyer les Panzer 4H parce que j'avais vu ici le Sexton et un blindé, donc je veux absolument voir si s'ils sont encore. En fait ils n'y sont plus. Donc, je vais me remettre comme ça. Et encore une petite offensive ici. Donc ça m'oblige à ramener au fur et à mesure des unités vers la ville. Donc là je suis à plus 2, donc ça va aller un peu plus vite. Le truc c'est que dans cette partie, si je me rappelle bien, j'ai plus d'infanterie. C'est-à-dire que j'avais consommé, on est en phase C là, et je n'avais plus du tout d'infanterie. Donc voilà. Il a fallu que j'envoie des half-track qui sont très bien d'ailleurs, ces 259 là. Donc ici on avance toujours. Donc ici j'ai mon scout avec mes unités d'infanterie qui avancent. Là, ça décroche de partout, là le moral est en train de flancher. En tout cas côté ouest. Ici c'est un peu moins vrai. Parce que vous voyez j'ai plus rien en ville. Là. Du coup je ramène mon Panzer 4. Mais il va pas falloir que je rentre en ville sinon il va périr. L'idée c'est de prendre cette rue en route en enfilade là et éventuellement aider à nettoyer tout ça. Vous voyez, plus du tout d'infanterie, ce sont des half-track qui arrivent. Alors lui il va sauter évidemment, il va se prendre un coup de piatte. Donc plutôt lui que mon Panzer 4. Donc là il faut absolument que je le recule. C'est ce que je vais faire normalement. Voilà, cette unité en détruisant la Nomax est rendue visible. Et du coup. Donc celle-ci avance vers moi. Donc voilà, j'ai le bon réflexe, c'est que je recule pour continuer à faire le job. Donc là je commence à quand même avoir pas mal de chars sur l'aérodrome. Panzer 4H, Tigre. On a ces half-track donc que j'aime beaucoup. Ok, les avions. Je trouve le camouflage très fidèle en fait. Il y avait ces teintes de vert, de rouge sur une base de jaune. Magnifique, magnifique. Alors, il a perdu les garde-boue avant. Ah, attention, il s'est pris un obus. Peut-être au niveau du moral hein, qu'il est particulièrement fort. Donc voilà, énième contre-attaque. Vous voyez le nombre de blindés ici. 4 blindés ici, un cinquième là. J'ai aussi du Focke-Wulf qui traîne. En face, on a quoi? On a du Sherman qui est un peu perdu là. Ouais, ils sont pas mal ces petites automitrailleuses là. Faudra que je les utilise dans mon deck là. AEC MK3. Ah oui, j'essaie de positionner de l'infanterie pour éviter que mes chars se fassent prendre sur les côtés. Ah, il en manque un peu d'ailleurs. Parce que s'il y avait eu des unités d'infanterie par ici, j'aurais pu prendre cher. Charge d'un de mes avions. Une bombe. Raté. Il a l'air tout petit celui-là d'ailleurs. Ouais. Faudra que je regarde ça de près.
Donc là, je continue à envoyer des half-track, de la roco en blindé. Ça, c'est très dangereux ce que je suis en train de faire avec mon Panzer 4H, parce que vous voyez qu'ici, là... Allez, on va accélérer. Bah écoutez, c'est donc en moyen, je trouve que c'est bien, quoi. Alors, je peux bien sûr améliorer des choses, mais on voit que la campagne solo m'a fait du bien par rapport au jeu, parce que avant de la jouer, j'aurais été incapable de gagner une victoire contre la moyenne. Les 2-3 parties que j'avais fait contre l'IA en facile, je ne gagnais pas. Donc ici, je fais un massacre, je suis à 77% plus 4. En jouant plus sérieusement, j'aurais peut-être même pu vider la carte. Donc je vais accélérer, vous voyez que j'avance, hein, ça décroche de partout. Ici, j'ai pris le contrôle de cette route. Hein. Boum, encore un char qui explose. Alors j'aime beaucoup que Whitman soit entouré par de l'infanterie d'un côté et par des half-tracks de l'autre. Ça me garantit que normalement on pourra pas l'avoir sur les flancs. Donc hein, c'est 9 d'armure derrière et 9 sur les côtés et 12 devant. Donc il y a quand même beaucoup de chars parmi les alliés qui peuvent le traiter. Mais vous voyez, lui à 11, de loin, même un Firefly, il va avoir du mal. Et voilà, c'est terminé. Alors on va regarder un peu les stats et les dégâts. Donc ok, donc les victimes. Donc on va aller voir ça. Pourquoi est-ce qu'il me donne ça dans ce sens-là? Ouais, je suis obligé de le regarder en l'ensemble. J'avais pas fait attention que dans les stats, il présentait toujours les alliés comme ça, alors que c'est moi je jouais les Allemands. Vous voyez que le pack, là, il a fait un carnage. Hein. Et je l'ai gardé... Ah non, je crois qu'il est mort à la fin, oui. Mais vous voyez que il a vraiment fait le travail. Le deuxième, pareil, alors qu'il arrivait plus tard. Focke-Wulf a shooté un certain nombre de choses. Vous voyez qu'un SDK FZ, ça peut... Alors, voyez. Vous voyez le tic de Whitman. Donc, du Rifle, du Sherman, du Six Pounder, du Bren, Sherman 5, 17 Pounder, Cromwell... Enfin voilà, du half track, du Sherman, il a fait un sacré taf. Je regarde le reste, Panzer 4H, vous voyez, hein, du Sherman, du transport de troupes, du half track, du 17 Pounder. Un peu moins celui-ci, mais bon, voilà. Tout le monde a fait le travail quand même. Hein. Donc ça c'est plutôt bon, Panzer 4H, voilà. Donc en tout cas, c'était un vrai plaisir de jouer cette partie. Bah écoutez, je vous dis à très vite pour la suite.